Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau live. Aujourd'hui, on va parler de l'information préoccupante à nouveau, vous me direz, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je trouve qu'on n'en parle jamais assez. La dernière fois, c'était avec Maître Voka. Aujourd'hui, nous accueillons Maître Oudou. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir ce soir, Floriane. Je vous propose de vous poser tout de suite la question. Qu'on se pose tous, plus ou moins, hein. En tout cas moi je me la pose, mais c'est qui êtes-vous, Floriane? Alors, effectivement, Floriane Oudou, je m'appelle comme ça, je suis avocate au barreau de Saint-Nazaire, j'ai prêté serment en 2016, et un des premiers dossiers que j'ai eu à traiter, c'était un dossier d'assistance éducative. Donc j'ai découvert assez rapidement ce milieu-là, l'assistance éducative. Et bien qu'ayant un profil généraliste, c'est le droit des personnes et de la famille. C'est un domaine dans lequel j'interviens plus particulièrement et notamment l'assistance éducative, donc tout ce qui va concerner les procédures qui sont diligentées par le juge des enfants ou pas, mais dès lors qu'il y a les services sociaux en jeu et une mesure dont va bénéficier un enfant, c'est vraiment les domaines dans lesquels je vais exercer principalement. D'accord, donc vous en avez fait un petit peu votre spécialité, vous connaissez bien les rouages autour de cette thématique qui nous réunit ce soir. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que c'est vraiment que l'information préoccupante? Oh, bonjour toi! J'adore le direct. Ça arrive. Voilà, il s'appelle Pascal. Et il s'invite absolument à tous mes rendez-vous en ligne, tout. Il est toujours là. Il est toujours là. C'est la mascotte. Alors, l'information préoccupante, oui. Comme son nom l'indique, c'est une information. C'est une information qui est transmise au département, en particulier à ce qu'on appelle la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes. Et cette information, elle va contenir des éléments dont l'objet va être d'alerter sur la situation d'un mineur, soit parce que sa situation laisse craindre que sa santé, sa sécurité, sa moralité seraient compromises ou pourraient l'être, ou alors que les conditions de son éducation, de son développement affectif, social, intellectuel seraient en péril ou risquent de l'être. Et donc cette information-là, elle est émise par diverses personnes, ça peut être un établissement scolaire, un établissement médical, n'importe quel intervenant extérieur qui est au contact de l'enfant et qui va donc transmettre cette information au département qui, lui, va la traiter et en fonction des informations qui sont reçues, va soit engager une mesure administrative, soit, dans les cas où ça paraît le plus inquiétant, directement procéder à un signalement auprès de l'autorité judiciaire et évidemment le procureur de la République au premier chef. Donc, à la base, l'information préoccupante, c'est vraiment des informations brutes dont vont disposer des intervenants extérieurs et qui vont transmettre au département qui, lui, va traiter. Et en fait, par rapport à cette procédure, à partir du moment où c'est lancé, est-ce qu'il y a moyen d'arrêter pour de revenir en arrière, de dire hop 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 hop, on s'arrête là, Alors quelque oui, chose comme ça. Oui, bien sûr. Une fois que l'information préoccupante est émise, que le département l'a en sa possession, ça va être traité justement par cette CRIP, par cette cellule de recueil des informations, qui va pouvoir l'orienter de différentes façons. Systématiquement, on aura la nécessité d'évaluer la situation pour le département, puisque c'est son rôle, effectivement, de la protection de l'enfant, ça va être d'évaluer la situation familiale en procédant à une enquête avec des rendez-vous avec les parents. Cette enquête, elle va aboutir ou pas à des mesures administratives ou autres, soit un signalement au parquet, comme je vous disais, soit suite au rendez-vous avec les parents, décider finalement d'un classement sans suite parce que les mesures, les éléments du moins d'inquiétude ne se confirment pas ou alors ne sont pas vérifiés ou ne sont pas finalement si inquiétants que ça et ne nécessitent pas une intervention. Donc voilà, cette IP, comme on dit, l'information préoccupante, elle va suivre ce schéma-là. Et pour le parent dont l'enfant fera l'objet d'une information préoccupante, ça va se matérialiser comment? Il va le savoir comment? Il va recevoir tout simplement un courrier du département qui va indiquer, ce sont des courriers types, hein, 99% du temps c'est la même chose, qui indique
Madame, monsieur, nous avons été destinataires d'informations préoccupantes ou d'éléments d'inquiétude sur la situation de votre enfant. Nous aimerions vous rencontrer. Et ce courrier-là vous donne une date de rendez-vous avec un lieu, en général dans les locaux des services sociaux au département, pour justement recueillir en fait la parole des parents sur les éléments qui leur ont été transmis. Passé ce stade, il y a en général les enfants qui vont être entendus. Peut-être que les services vont vouloir se déplacer à la maison, vont vouloir poser des questions à l'émetteur de l'information préoccupante, établissement de loisirs, école, médecin, infirmière, puéricultrice, n'importe. Et de là, effectivement, plusieurs options. Hein. Soit on classe encore une fois l'IP, et c'est une majorité des informations préoccupantes qui sont classées, soit le département va estimer qu'il y a lieu d'apporter une aide à la famille et qu'il va proposer une aide à la gestion du budget, une aide éducative en milieu ouvert, différentes. Il y a tout un panel de mesures qui sont envisageables et qui va donc les proposer à la famille, proposer cette intervention. Après, dans la plupart des cas, la volonté des parents, c'est justement que, qu'on n'ait pas les services sur le dos, qu'on n'ait pas à se justifier. Et donc, l'enjeu, ça va être lors de ce rendez-vous, en fait, où on va vous convier, ça va être d'expliquer la situation, d'expliquer les éléments d'inquiétude, de lever ces inquiétudes pour que dans l'idéal, on ait effectivement un classement et que ça s'arrête là. Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Une IP, quand elle est faite, elle est faite. Quand le département a les informations, il les a. S'il estime qu'il y a une évaluation à faire, elle sera faite de toute façon. Quand vous dites s'il estime, c'est possible qu'il ne l'estime pas et qu'il la classe. Oh oh. Excusez-moi, ça. Non, ça a juste coupé sur il la classe. J'ai eu peur qu'on perde la connexion, mais non. Nécessairement. S'il n'y a pas d'autres éléments, alors à moins que l'IP soit complètement délirante, quand ça vient souvent d'un institutionnel, un établissement public, que ce soit médical ou d'éducation, nécessairement, on va avoir une convocation des parents pour discuter, hein, dans 99% des cas. Suite à ce rendez-vous avec les parents, effectivement, il y a beaucoup d'IP qui sont classés. Mais ce rendez-vous est un début d'évaluation. Quand je parle d'évaluation, ce n'est pas forcément une enquête sur 6 mois. Ça peut tout simplement rencontrer les parents, si nécessaire les enfants, mais ça peut s'arrêter à simplement rencontrer les parents, leur demander s'ils ont besoin d'aide, évaluer leur situation. Et bien souvent, ça s'arrête là, oui. Qui est présent durant cette réunion, durant cette évaluation? Alors, les titulaires de l'autorité parentale, ils vont, en général, vous avez 2 personnes. Qui vont être des représentants des services sociaux, parmi lesquels vous aurez très classiquement un référent ou un cadre technique ou quelqu'un qui est dans la hiérarchie un petit peu au-dessus et qui va faire une équipe de 2. Vous aurez en général 2 personnes, vous ne serez jamais reçu par une personne seule. D'accord. Et pour avoir une idée un peu où on se trouve dans cette situation, des informations préoccupantes, il y en a beaucoup. En France, il y en a plusieurs qui sont émises chaque année en général. Hein, là, je dis en général. Et par rapport aux personnes en situation de handicap, est-ce que on a une belle part dans ce gâteau très désagréable? Alors, les informations préoccupantes, oui, on suppose qu'il y en a beaucoup. Maintenant, c'est un chiffre noir. Bien évidemment, on ne peut pas savoir combien parce que c'est administratif et tout ce qui est administratif en France, c'est toujours un peu opaque et nébuleux. Donc, on suppose qu'il y en a quand même un certain nombre. Hein. En tout cas, les procédures, que ce soit administratives ou judiciaires, elles se multiplient ces dernières années. On en a énormément. On est un des pays en France où on a le plus de mesures d'assistance éducative et de placement. On en a presque 2 à 3 fois plus qu'en Italie. Et l'Italie, je prends l'Italie comme comparaison parce que c'est un des pays d'Europe où on est à démographie, superficie, on a des conditions à peu près équivalentes. Donc oui, en France, ça marche beaucoup, le système de l'information préoccupante. Ce n'est forcément pas toujours utilisé à bon escient non plus. Et on a eu beaucoup, on a beaucoup aussi de sensibilisation aux violences intrafamiliales qui font que ces IP vont se multiplier. Donc, savoir quel est le nombre, il n'y a aucun moyen de le savoir, d'autant plus qu'il y en a beaucoup qui sont classés et que c'est des choses dont on peut pas ou très difficilement avoir communication. Après, à la question de savoir si les parents d'enfants en situation de handicap ou d'enfants particuliers, comme je les appelle, c'est-à-dire les enfants qui ont des fonctionnements particuliers, des besoins particuliers, s'ils sont surreprésentés, eh bien oui. Pourquoi ? Parce que les inquiétudes des professionnels, c'est souvent
dans 90% du temps, des situations qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne connaissent pas bien. Donc, nécessairement, un enfant qui est en situation de handicap, surtout ce qu'on appelle un peu maintenant tout ce qui est handicap invisible, donc ces enfants un peu particuliers, où on se détache du handicap stricto sensu qui serait une simple déficience moteur ou intellectuelle, ben, ça interpelle, ils peuvent ne pas comprendre et c'est des cas où on a plus facilement des signalements, on a plus facilement des informations préoccupantes. Donc oui, ils sont surreprésentés et on peut dire, alors même si le terme est péjoratif, mais que les parents sont plus à risque, plus exposés en ayant un enfant particulier en situation de handicap à ce qu'il y ait une information préoccupante. Et très souvent, ça vient venir de l'école. D'accord, l'école, ok. Comment ça se passe une évaluation la première fois si on a une IP, comment ça se passe cette première réunion? Alors, il faut, ça dépend comment vous l'abordez. Et c'est là que c'est important. Parce que pour n'importe quel parent, il y en a certains qui reçoivent ce courrier du conseil départemental en se disant, voilà, j'ai eu un souci avec l'école, ils ne comprennent pas, ils pensent que je m'occupe mal de l'enfant, ils ne comprennent pas son handicap, ils ne comprennent pas sa situation. Et je ne suis pas étonnée de recevoir finalement qu'il y ait eu un signalement, comme on dit, au service. D'autres, ça leur tombe comme un coup de massue, ils n'ont pas du tout venir. Donc, la première action en tant que parent, c'est se dire, wow, on m'accuse de maltraitance, on me soupçonne de mal m'occuper de mon enfant, je vais être jugée, j'ai été dénoncée. C'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. On a, dans la plupart du cas, des IP qui sont émises dans de bonnes intentions, ou du moins avec bienveillance, plus maladresse ou méconnaissance que malveillance en tout cas. Donc, en tant que parent, quand vous recevez ce courrier, il ne faut pas paniquer. Bien sûr que c'est inquiétant, bien sûr que c'est préoccupant. D'ailleurs, c'est le nom que ça porte. Il faut prendre la chose au sérieux, mais il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas vous dire que vous êtes accusé de maltraitance ou qu'on va vous retirer votre enfant. Il ne faut pas du tout partir dans cette optique-là. Ce rendez-vous auquel on vous convie, c'est la première étape. C'est la première fois que vous serez convoqué auprès des services après une information préoccupante. C'est le premier contact que vous aurez avec eux. Il faut bien avoir en tête qu'il faut se rendre à ce rendez-vous. C'est extrêmement important parce que j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir après. Mais s'il n'y a pas de réaction de la part des titulaires de l'autorité parentale à une IP, tout comme s'il n'y a pas de suite de données aux propositions administratives, on va derrière avoir une saisine d'un juge, nécessairement, parce que les services vont se dire, si le parent ne comprend pas qu'on s'inquiète pour l'enfant et ne réagit pas, on va devoir prendre des mesures de contrainte. Donc, ce rendez-vous, il faut y aller. Il faut vous dire en tant que parent que vous avez affaire à des personnes, vous allez avoir deux personnes à ce rendez-vous, donc comme je vous ai dit, des éducatrices ou des référentes ou des cadres techniques, bref, des professionnels des services qui ne connaissent pas votre situation, qui ne connaissent pas votre enfant ni votre vie de famille. Tout ce qu'ils savent de vous, ce sont les informations qui sont contenues dans cette IP. Donc, en général, c'est dramatisé, soit c'est que le mauvais côté des choses ou les difficultés. Donc, le job pour vous, ça va être de clarifier la situation, de l'exposer, de la dédramatiser et de lever les inquiétudes. Donc, dans le cas particulier où justement vous avez un enfant particulier ou porteur d'un handicap, l'intérêt, ça va être d'arriver à ce rendez-vous. Déjà détendu, on n'arrive pas à protéger dans les gants de boxe aux mains. On n'est pas là pour se bagarrer, on est là pour justement que ça se passe bien et pouvoir se débarrasser de cette procédure administrative. Donc, il faut arriver dans l'idée d'expliquer la situation à ces personnes qui ne la connaissent pas. Il ne faut pas hésiter à ramener tous les documents utiles, notamment si vous avez des enfants qui ont un handicap complexe ou des maladies orphelines ou des choses qui ne sont pas forcément connues du grand public. Quoique, même quand c'est le cas, je prends le cas des petits TSA et des petits TDAH, ça a le même nom, mais sous cette appellation-là, vous avez des petits profils très, très hétérogènes. Donc, pas hésiter à ramener tout ce qui peut expliquer la situation de votre enfant, expliquer son fonctionnement, expliquer votre fonctionnement familial, ce que vous avez mis en place pour votre enfant, de manière à donner à ces personnes lors du rendez-vous une vision complète de votre enfant, de qui il est, de comment vous le prenez en charge, comment ça fonctionne à la maison. Donc, l'idée, c'est pas d'arriver non plus avec un pavé, un dossier comme ça, parce qu'ils vont se demander pourquoi vous avez prévu tout ça, mais au moins le minimum qu'ils puissent les informer et les rassurer sur la situation. C'est vraiment ça l'enjeu. Donc, il faut vraiment, quand vous recevez ce courrier, vous soufflez un bon coup. On cherchera après pourquoi, qui, comment a fait l'IP. Ce qu'il faut, c'est rassurer la cellule de recueil des informations préoccupantes et les personnes qui sont saisies de la situation de votre enfant. Alors, j'ai quelques réactions. Il y a Anne qui nous dit, pour l'avoir vécu, c'est violent. Il y a Daniel qui nous ajoute, comme quoi certains enseignants sont persuadés qu'une IP aide les parents.
Et il y a Delphes qui nous dit bonsoir, ils savent bien voler nos enfants. Ce sont tous de grands mythomanes et ils savent très bien ce qu'ils font. Sans eux, PMI, HP, école, etc. De toute façon, leur fin approche. Alors bon, j'avais pas tout lu. Mais sinon, voilà, il y a. Oh là, ça y va, quoi, les réactions. On sent quand même qu'il y a beaucoup d'émotions derrière cette thématique. Il y a Anne qui nous dit, quand on tombe sur une personne qu'on ne peut pas sentir, c'est complexe d'être détendu. L'inconvénient d'habiter à la campagne, c'est qu'on finit par connaître un peu tout le monde, j'imagine. Et Nathalie qui dit, bonsoir, j'ai vécu cela et malgré diagnostic, etc., et expliqué ou plié à ce qu'ils demandent, ça n'a pas empêché d'avoir un placement d'urgence. On comprend bien à travers ces témoignages que bah, même si on arrive en étant détendu et tout ça, ben on peut se retrouver face à des personnes qui veulent pas entendre. Moi, j'ai beaucoup entendu effectivement comme quoi même des diagnostics étaient remis en question. Est-ce que c'est possible? Est-ce que comment ça peut se faire ça? Alors oui, ça arrive. C'est vrai que ce que je vous ai présenté jusque-là, c'était alors pas une vision évangélique de la chose, mais une vision un peu neutre. Maintenant, il est vrai qu'en pratique, je vous cache pas que dans mon exercice professionnel, je suis plus amenée à travailler contre les services qu'avec eux. Ces rendez-vous-là sont nécessairement violents pour les parents, même quand ils se passent bien. On va pas nier non plus que très souvent, ça ne se passe pas bien. Faire du tout noir ou du tout blanc, je vais paraître un peu basique bébête en disant ça, mais vous avez des gens qui ne sont pas de bonnes personnes, qui sont mal intentionnées, qui sont négligentes, qui sont parfois incompétentes, qui sont parfois foncièrement mal intentionnées. Je ne vois pas à quel titre ou par quel miracle les professionnels de l'enfance échapperaient à ces failles très humaines. Donc forcément, vous pouvez être amené, et ça arrive souvent, à tomber sur des personnes qui ne veulent pas entendre la situation de votre enfant, qui ne veulent pas entendre vos explications, et pour qui ça va très très mal se passer, même si vous mettez tout de votre côté. Là, dans un premier temps, je vous ai dit de tout faire au mieux, c'est pour limiter ce genre de risque. Et maintenant, il existe. Et effectivement, très souvent, cette machine administrative et judiciaire va s'emballer. Et face à la méconnaissance de la situation, ce qu'on appelle les professionnels de l'enfance, ils vont continuer, maintenir, demander à ce qu'il y ait une intervention administrative, la présenter de telle façon que les parents ne peuvent décemment pas l'accepter. Et face au refus, au blocage, saisir le juge, et là, ça devient contraignant. Et s'il y a encore un blocage des parents pour une mesure éducative, quelle qu'elle soit, on en arrive les trois quarts du temps, inévitablement, à un placement. Donc, ce qu'il faut aussi, je pense que là, c'est vraiment très important, c'est quand vous êtes confronté à une IP, c'est tout de suite vous tourner vers une association de parents ou de juristes, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'associations. Moi, je travaille très régulièrement avec une association qui accompagne les parents, que les enfants soient placés ou non, qui s'appelle l'association Terre Moutis. Et l'idée, ça va être de vous donner aussi toutes les clés, de vous accompagner au rendez-vous institutionnel pour que vous connaissiez vos droits et éviter justement certaines dérives qu'on peut avoir dans l'intimité des bureaux où on a parfois des parents qui sont malmenés, qui sont poussés à bout, qui sont pressurisés, voire qui sont menacés. Ça va être où vous suivez ce que je vous dis, où on place. Sachant que théoriquement, ça n'est pas dans leur pouvoir. En pratique, on pourra voir que bien souvent, la décision, malheureusement, leur appartient en définitive. Donc oui, des fois, ça, malgré tout ce que vous faites, ça se passera mal. Donc c'est pour ça qu'une IP, elle doit toujours être prise au sérieux. Mais il ne faut pas arriver dans l'optique de la bagarre, parce que vous allez biaiser dès le début les rapports et de toute façon, ça va mal se passer. Il faut essayer de faire au mieux et quand vous voyez que ça se passe mal au premier rendez-vous, immédiatement prendre attache avec une association et prendre attache avec un avocat qui est sensibilisé à la problématique pour vous accompagner. Un de mes confrères que vous avez reçu récemment, on travaille beaucoup ensemble sur ce genre de situation parce que lui est spécialisé dans le handicap et c'est vrai qu'on accompagne aussi très régulièrement les parents parce qu'il est très compliqué de faire entendre qui a un diagnostic, de faire entendre que l'enfant ne rentre pas dans des cases et que même en mettant tout ce que vous pouvez en œuvre, il arrive que l'enfant, bah, il souffre quand même, il ait quand même des difficultés. Maintenant, on fait ce qu'on peut, on ne peut pas garantir que nos enfants seront heureux tous les jours 100% du temps. Ce n'est pas possible.
Et ça, c'est nécessairement de la maltraitance, c'est pas forcément de l'enfance en danger, c'est malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est parfois très compliqué à faire entendre aux services qui vont maintenir leurs préconisations et qui vont parfois devenir agressifs. Donc, il faut savoir se défendre, mais il faut savoir se défendre. Alors, quand je dis intelligemment, c'est pas que les parents ne le font pas intelligemment, ça veut dire c'est se défendre armé. Et armé, ça va être avec un soutien logistique et juridique, nécessairement. Tout seul, on aura vite tendance à se faire broyer, d'autant plus... Il est question de nos enfants, donc l'émotion est là, donc c'est plus compliqué de prendre du recul, c'est beaucoup plus compliqué de garder son calme. Alors, encore beaucoup de réactions. Hein. Moi, je voudrais juste avoir une précision. Est-ce que lors de la première convocation, on a le droit de venir accompagner ou c'est que les parents? Ah, ça a coupé. Alors oui, on a eu un petit peu de retard tout à l'heure. Et on a quelques soucis de connexion. Je perds la connexion. Vous m'entendez? Si, je suis revenue. Super. Il y a eu une baisse de la connexion. D'accord, ok. Pas de souci. Je vous demandais si lors de la première convocation, on pouvait y aller accompagné ou c'était que les parents. Alors, il n'y a que les parents qui sont convoqués. Maintenant, il existe. Alors, de mémoire, c'est 223-1, je crois, l'article du Code de l'action sociale et des familles, qui est issu d'une loi de 2000, donc la codification de ce code, justement, qui a été confirmée en 2007, qui prévoit le droit pour tout parent dont l'enfant bénéficie ou va bénéficier d'une mesure d'assistance éducative à être accompagné dans ses démarches auprès des établissements. Donc, oui, vous avez le droit d'être accompagné, que ce soit par quelqu'un de votre famille, par un avocat, par un professionnel, par un membre d'une association, vous avez ce droit d'être accompagné. Seulement, malheureusement, les personnes que vous aurez en face ne le savent pas. Ne le savent pas ou refusent parce que ça les gêne, parce qu'ils vont vous dire qu'ils ont une circulaire intérieure qui l'interdit, parce qu'ils vont vous trouver plein d'excuses. Non, mais vous avez le droit d'être accompagné, il faut faire valoir les dispositions de cette loi, c'est assez important. Et on touche là un des soucis, c'est que les parents ne sont pas informés de leurs droits, on ne les prévient pas. Et je pense que la majeure raison pour laquelle les parents ne sont pas informés de leurs droits, c'est parce que les services eux-mêmes ne les connaissent pas. Très souvent, on apprend, nous, comme je vous dis, je travaille avec l'association Terre Moutis, on va expliquer au service qui refuse la présence d'un accompagnateur, si c'est un droit et ce droit s'impose à vous. Hein, hiérarchiquement, la loi passe avant le règlement. Donc, quelle que soit leur circulaire ou leur organisation interne, on ne peut pas vous refuser d'être accompagné. Maintenant, en pratique, si vous arrivez à accompagner et qu'au rendez-vous, on vous dit non, on ne veut pas, et que vous insistez en disant écoutez, j'ai la loi de 2007, j'ai le droit d'être accompagné, c'est prévu par les textes, ils vont vous dire écoutez, dans ces conditions-là, nous ne faisons pas le rendez-vous. Et là, vous avez le choix entre accepter d'y aller non accompagné ou tout simplement refuser le rendez-vous avec les conséquences qu'on connaît, c'est l'information au juge des enfants. Donc, c'est très compliqué, on ne se bat pas à armes égales. Et la difficulté vient aussi de ce que les services, c'est une administration. Donc, une administration, ils ne sont pas au fait des droits qui sont garantis par la loi. Ils ne sont pas toujours au point sur les procédures judiciaires. Et ils ne sont pas au point sur plein de choses. Et c'est très compliqué. Ça aussi amener des situations de blocage. Donc, si un courrier et un premier rendez-vous en soi, ça peut très bien se passer. Ça peut être aussi le début d'un engrenage. Il ne faut pas l'ignorer. Et même en mettant tout en œuvre, il se peut que ça reste compliqué. Donc, l'important, c'est de vous informer, d'y aller en ayant dans l'esprit d'informer le mieux possible, dans le meilleur état d'esprit possible. Mais effectivement, on ne peut pas garantir que ça se passera bien. Et justement, par rapport à nos droits, connaître nos droits, lorsque on apprend comme quoi on a une information préoccupante, qu'on a un rendez-vous, quels sont les éléments à savoir pour nous protéger durant cette rencontre. Quelles sont les phrases à éviter et les phrases sur lesquelles il faut plutôt être vigilant. Quels sont vos conseils un petit peu? Parce que moi, je vais partir du fait, et vous en avez très bien parlé tout à l'heure, que on est parents d'enfants en situation de handicap. Ah là, on va pas pouvoir se dire qu'on est complètement intouchable dans cette histoire, au contraire. Donc,
on sait que ça peut arriver parce que on peut très bien tomber sur une personne qui n'y connaît pas grand-chose et qui veut protéger notre enfant envers et contre tout. Et ce qu'on peut entendre, bon, d'accord. Après, le problème, c'est que quand la machine est lancée, vous nous l'avez dit, on est tout petit face à un mastodonte de l'administration. Quels sont, on a bien compris que c'est pas non plus sûr et certain qu'on en ressort indemne, le but n'est pas là. De toute façon, on a bien compris qu'on avait signé pour pas mal d'années avec le handicap de nos enfants. Mais voilà, on a besoin de savoir, comme vous l'avez dit, pour nous préparer et pour connaître nos droits. Et justement, voilà, ma question c'est comment concrètement, durant ce premier entretien, on va dire, celui où ils peuvent décider de mettre sans suite dès le début, comment s'y prendre? Voilà, quels sont vos trucs et astuces? Alors, les trucs et astuces, comme je l'ai dit, la première chose, c'est l'information. Vous allez avoir affaire à des personnes qui ont uniquement sur votre situation le contenu de l'information préoccupante, donc nécessairement qui n'est pas la vérité, qui va être des fois un regard extérieur qui peut être biaisé. Donc, ça va être une information la plus claire et transparente possible sur la situation de votre enfant et le fonctionnement familial. C'est-à-dire qu'un enfant qui va être en difficulté, on attend que les parents derrière prennent la mesure de la chose et mettent en place les prises en charge. Donc ça, pas hésiter à le montrer. Pas hésiter à en justifier, avoir une information très claire et limpide là-dessus. Il y a aussi des questions des fois, parce que vous pouvez avoir affaire à des personnes qui vont, et ça arrive, mal se comporter, éventuellement vous provoquer, ou alors essayer de pousser un peu pour voir où sont vos limites, voir si vous, il y a une souffrance, parce que c'est pas les parents qui sont directement mis en cause. Pas de façon frontale en tout cas, même si en pratique, nécessairement, vous sentez bien que c'est votre prise en charge qui va être questionnée. Ça va être de rester très carré sur les questions. Très souvent, on a des parents qui perdent patience et qui, lors des rendez-vous, vont dire « Mais vous m'accusez de ci, vous m'accusez de ça, vous allez l'enlever. » Ne pas partir sur ce terrain-là. Restez bien cadré sur les questions, ne répondez qu'aux questions, uniquement. Pas partir sur d'autres terrains. Ne surtout jamais aborder l'émetteur de l'information préoccupante. Mais de qui ça vient, qui a dit ça, je suis sûre que c'est un tel, je suis sûre que c'est le directeur parce qu'il ne peut pas mettre l'aménagement en place. Vous avez le droit de le penser, vous avez probablement raison. Mais ça, c'est des éléments qu'il ne faut pas parler à ce rendez-vous-là. Parce que nécessairement, la personne en face, elle va avoir sa lecture. Mais cette personne, si elle se défend de prime abord sans être attaquée, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher. Vous avez des personnes, ce n'est pas forcément très, très élaboré en termes de schéma de pensée. Donc, il faut savoir, on ne sait pas exactement comment va réagir l'éducatrice ou le référente ou le cadre technique qu'on aura en face. Donc, évitez de partir sur ces terrains-là, même si humainement, ça te paraît assez normal de vouloir savoir pourquoi, de savoir est-ce qu'on me reproche, est-ce qu'on a dit quelque chose, est-ce que pas remettre en cause l'IP. Ne pas non plus remettre en cause l'intervention des services. Pas tenir de discours du style « je n'ai pas besoin de vous, vous n'y connaissez rien, vous ne comprenez rien, de toute façon je connais un tel, son enfant a été placé, on sait comment vous fonctionnez ». Ça, vous avez le droit de le penser et vous avez très certainement raison, mais vous ne devez pas le dire, en tout cas pas à ce moment-là. Donc voilà, gardez un discours un peu épuré. Concentrez-vous sur les questions, tout ce qui pourrait remonter, tout ce qui est, ce qui ferait que l'émotion peut déborder et qui serait très humain et très compréhensible encore une fois. Malheureusement, on ne doit pas trop y laisser place ni prise lors de ce rendez-vous. Parce que vous lisiez tout à l'heure, Sandrine, justement, le récit d'une personne qui disait on peut dire ce qu'on veut, ils disent bien ce qu'ils veulent, ils mettent bien ce qu'ils veulent dans les rapports, ils ne veulent pas croire les diagnostics. Vous allez avoir affaire à des personnes qui vont pouvoir interpréter un regard, un mot, une crise de larmes, n'importe quoi. Donc voilà, il faut rester donnez-leur le moins d'accroche. Ne déviez pas en fait des questions, ne déviez jamais sur l'émetteur de l'IP, ne déviez jamais sur le bien fondé de l'intervention des services. En soi, c'est vrai que si on le prend d'extérieur, ils reçoivent un courrier leur indiquant qu'un enfant sera en danger, ils vont vérifier. Ça s'entend, c'est pas déconnant en soi. Donc, essayez de rester là et surtout ne pas dévier. Laissez pas l'émotion vous submerger non plus. Soyez aussi naturel, parce que c'est pareil, si vous êtes trop épuré, comme je disais, trop impassible, on pourrait avoir un rapport sur ce rendez-vous qui dirait « Monsieur ou Madame Intel paraît totalement psychorigide et hermétif aux affections, on se demande quelle est ses capacités. » Voilà. Restez le plus neutre, en fait,
Soyez humain, soyez vous, mais ne laissez pas l'émotion vous submerger, et restez vraiment toujours très centré sur les questions. Le sujet, c'est votre enfant, c'est sa prise en charge, c'est l'alvée des inquiétudes. Il faut vraiment rester très centré sur ce rendez-vous et sur l'objet de ce rendez-vous, parce que c'est souvent les débordements des parents qui vont donner des prises au rapport en disant « Monsieur ou Madame s'éloigne du sujet, nous avons des difficultés à le recentrer, il a des problèmes pour gérer ses émotions. » Voilà, c'est toutes ces choses qui vont pouvoir être autant d'éléments d'inquiétude qui vont pouvoir être exploités ensuite par les services. Donc, il faut trouver le juste milieu. Alors, on a plusieurs questions. Donc, question de Daniel qui dit « Peut-on obtenir la teneur de l'information préoccupante, même sans avocat ? Quelle est la procédure ?» Alors ça, c'est une question qui est hyper intéressante. Avec ou sans avocat, vous avez une chance sur 1 million de l'obtenir. L'information préoccupante est un document administratif. On a un principe d'accès aux documents administratifs qui nous concernent. Cet accès, il est réglementé. Il est chapeauté par un organisme qui s'appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Et normalement, on pourrait tout à fait de demander à avoir accès comme à n'importe quel information qui nous concerne, en obtenir communication. Le souci, c'est qu'encore une fois, on est sur du purement administratif cette fois, et que cette information préoccupante, elle contient aussi des éléments personnels sur l'émetteur de l'information, son nom, son prénom, sa profession, hein, si ça va être le directeur de l'école ou le médecin traitant ou autre, voire des informations sur d'autres personnes, parce qu'une IP peut très bien dire « l'autre jour, j'ai vu l'enfant avec tel consoeur ou infirmière qui s'appelle comme ça ». Voilà, donc vous avez aussi des informations personnel sur des tiers. Et ça peut fonder un refus de communication. Donc, ça dépend du contenu de l'IP, mais s'il n'y a que des informations qui vous concernent, vous et l'enfant, théoriquement, vous pouvez en demander communication. Dans un premier temps, c'est une demande de communication gracieuse, classique, logique, auprès du département. Dans 100% des cas, vous aurez un refus. Hein, de première intention. Donc là, soit vous tentez un recours hiérarchique auprès du président du conseil départemental, du préfet, soit vous saisissez la commission d'accès aux documents administratifs qui s'appelle la CADA, qu'on peut saisir en ligne, c'est pas bien compliqué. Mais les trois quarts du temps, je ne vous cache pas que même nous, en tant qu'avocat, quand on essaie de récupérer ces informations-là, soit l'IP contiendrait, parce qu'on ne peut pas le vérifier par hypothèse, des informations sur d'autres tiers. Et donc, dans cette mesure-là, elle n'est pas communicable. Soit on va nous opposer un principe, soit on va nous traîner de service en service et au final, on n'arrivera pas à l'obtenir. On a réussi, moi, je crois que de mémoire, avec Maître Vauquin, on a réussi à en obtenir une. Et c'est parce qu'on était tombé sur une stagiaire qui nous l'a remise, mais normalement, on ne les a pas. On n'arrive pas à les avoir. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que ça va mettre le feu aux poudres. Et pour des raisons évidentes, ils ne veulent pas les communiquer. Mais c'est. Alors, je n'aurai pas de réponse tranchée. C'est pas oui, c'est pas non. C'est juridiquement, on peut la récupérer s'il n'y a pas d'information personnelle qui concerne l'identité de tiers. En pratique, on n'y arrivera quasiment jamais. À moins de faire des recours administratifs qui vont être compliqués, de passer devant un tribunal administratif, mais ça, d'ici à ce que vous passiez, la procédure d'assistance éducative sera terminée, hein, vu les délais. Soit sur un malentendu, on pourra réussir à l'avoir, mais c'est aussi compliqué en théorie qu'en pratique. Donc, très souvent, on ne saura pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si cette information préoccupante et l'évaluation qui s'ensuit donne lieu à l'ouverture d'une procédure administrative ou judiciaire, là, votre avocat a accès à l'entier dossier et même sans avoir l'IP directement, parce qu'en général, elle n'est pas dans le dossier judiciaire, il pourra avoir des éléments dessus. C'est-à-dire que sur les rapports, les services sociaux vont dire « Nous avons été saisis à telle date ou informés à telle date par telle personne de tel fait. » Donc, même si vous n'avez pas l'IP, vous savez qui l'a fait et vous savez ce qu'il y a dedans. Donc, il y a toujours moyen, en étant malin, d'arriver à récupérer les informations. Alors, j'ai de nouveau Cathy qui était intervenue, qui avait été très touchée par la précédente émission que nous avions eue avec Maître Voca, qui revient toujours aussi mal à l'aise avec ce qu'on dit par rapport aux travailleurs sociaux, puisqu'elle est elle-même travailleur sociale. Elle dit « Que d'interprétation et de projection sur les travailleurs sociaux, je suis effarée. Une assistante sociale qui aime son métier, qui aime les gens, qui a un code de déontologie. Je suis effarée et je suis maman d'une enfant en situation de handicap. Non, bien sûr, vous êtes humain et vous avez des émotions et nous les comprenons.
je n'écoute plus, c'est dommage de nous présenter ainsi. Alors, pour moi, j'envoie le message à Cathy avec beaucoup de bienveillance et d'empathie. Je connais bien aussi des assistantes sociales qui font très bien leur métier, qui ont le cœur sur la main et qui se forment même, sachant que, par exemple, dans mon département, il y a un service qui est en train de se créer avec des assistantes sociales qui se forment au handicap, justement, pour accompagner au mieux. Mais malheureusement, Cathy, je vais vous dire en toute honnêteté, vous êtes rare, hein, voilà. Et je serais ravie de vous accueillir lors d'un live pour que vous puissiez faire l'équilibre, voilà, comme on dit. Après, aujourd'hui, j'accueille une avocate. Et donc, en tant qu'avocate, j'imagine que vous n'avez pas vraiment les belles histoires à nous raconter. Voilà, donc là, on est dans une démarche de sensibilisation. Et si Cathy, un jour, je vous le répète, vous souhaitez participer, participez, vous êtes la bienvenue et vous serez accueillie avec toute la générosité et la bienveillance que nous accordons aux professionnels aussi investis que vous. Voilà, je tenais à le lui envoyer, je ne sais pas si elle le regarde encore, elle a dû partir, mais bien sûr qu'il n'y a pas que des travailleurs sociaux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la capacité de d'accompagner les familles en respectant leur douleur aussi face au fait qu'ils soient parents d'enfants en situation de handicap. On est totalement d'accord avec ça. Là, on parle de quand la machine déraille. Oui, parfois, il faut en parler. Oui, mais justement, je pensais, depuis le début de l'intervention, avoir été quand même suffisamment ouverte et pas trop tranchée. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est tout noir ou que c'est tout blanc. Il y a effectivement des gens qui font très, très bien leur travail. Maintenant, je me souviens que effectivement, cette personne était intervenue pendant le live de Maître Voca, demandant à ce qu'on interroge d'autres professionnels. Là, elle indique que ça n'est pas la réalité qu'elle retient et que du coup, elle n'écoute plus. Donc, je serais… Je prends un peu votre contre-pied, Sandrine. Je ne serais pas malveillante, mais je serais quand même un peu plus ferme parce que c'est le principe de la confrontation d'idées, hein, dans une société démocratique. Donc, le seul conseil que je pourrais donner si on veut avoir uniquement un son de cloche qui nous convient, c'est de rester dans un entre-soi avec des personnes qui partagent le même point de vue. Hein. Et sinon, c'est d'éviter les discussions par principe démocratique où on confronte des idées qui ne sont pas les mêmes. Après, c'est dommage, on a, parce que oui, là, on parle des dérives, donc forcément, je ne vais pas donner une image idyllique. Je peux vous donner un exemple qui remonte à 3-4 semaines, hein, une audience chez le juge des enfants avec deux éducateurs, un référent et un éducateur. Avec la maman, nous étions en totale opposition avec le point de vue des éducateurs, en totale opposition avec le juge. La décision est tombée, en totale opposition avec ce que nous demandions. Mais l'éducateur, comme le référent, ont expliqué leur point de vue de façon humaine, de façon bienveillante, en étayant leur point de vue. Dès que ma cliente est sortie, ils se sont précipités derrière elle pour la rassurer, pour lui dire « Écoutez, madame, on ne retient pas le même point de vue que vous, on n'a pas la même lecture, mais on vous accompagne. » Enfin, des personnes juste formidables. C'est très rare, mais il y en a, bien évidemment, il y en a. Maintenant, si on fait partie de ces personnes qui bossent bien, comme cette personne, justement, Karine, c'est ça, qui fait bien son travail, je ne comprends pas cette volonté de vouloir nier qu'une autre réalité existe, à moins, encore une fois, de penser que, par je ne sais quel miracle, les personnels des services sociaux, éducateurs ou autres, seraient complètement protégés de toute faille humaine, donc l'administration de l'enfant serait la seule à ne subir aucun dysfonctionnement, c'est quand même n'importe quoi, pour être honnête. Bien sûr, des fois, c'est déconnant. Bien sûr, des fois, on a affaire à des personnes qui font mal leur travail. Ça arrive partout, des avocats aux services sociaux. Il faut quand même être honnête. Donc, j'ai du mal à entendre ce point de vue où c'est pas représentatif. Donc, non, interroger quelqu'un d'autre, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, ça voudrait dire quoi? Que ça se passe bien partout? Non, c'est pas vrai. Et je pense que ces personnes qui font bien leur boulot, qui le font honnêtement, en niant cette réalité-là, eh ben, justement, elle se décrédibilise. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'on a besoin de gens qui bossent bien, on a besoin de gens à l'écoute. Et il y en a, parce que des travailleurs sociaux qui font bien leur job, j'en vois aussi. Et on a un plaisir à travailler avec eux, avec les familles, même quand c'est compliqué. Mais il ne faut pas que ces personnes-là soient amenées à dire
Ben, non, je vois pas de quoi vous parlez, tout va toujours très bien, on fait notre boulot avec le cœur, tout va très bien. Non, c'est pas vrai, c'est pas tout le monde. Je pense qu'à un moment, on se décrédibilise aussi en niant cette réalité-là. Et au-delà de ça, on nie aussi la souffrance de parents qui ne comprennent pas les situations et c'est pas acceptable, ça. On peut pas dire que ça existe pas, on peut pas dire, comme on l'entend très souvent, que le nombre de dysfonctionnements ou de placements qui seraient pas justifiés ou de mesures qui ne seraient pas justifiées n'est pas représentatif, parce que ça, c'est un argument qu'on entend très souvent. C'est pas représentatif. Alors déjà, d'une part, intellectuellement, c'est complètement bidon, parce qu'on ne peut pas savoir le nombre de cas où il y a des dysfonctionnements, parce qu'on n'arrive déjà pas à avoir le nom officiel d'enfants placés en France, et une omerta totale, c'est très compliqué d'avoir les chiffres. Savoir la proportion de ce qui se passe bien, la proportion de ce qui se passe mal, personne ne le sait, pas même moi. Si c'est pas représentatif, c'est que ce serait marginal. Honnêtement, j'en doute. Je doute que ce soit marginal. Et encore que ce serait marginal, utiliser cet argument pour dire on clôt le débat, on parle d'un autre professionnel ou j'arrête de regarder. Alors, c'est quoi? C'est les cas déconnants, on n'en parle pas. Il n'y en aurait ne serait-ce qu'un que déjà, ce serait un trop. Donc, on ne peut pas entendre cet argument de « je veux entendre que du bien des services sociaux » ou « c'est pas représentatif quand ça déconne ». Non, c'est humainement pas entendable et intellectuellement, c'est biaisé. Donc, il faut être honnête. Moi, je veux bien entendre le discours de professionnels de l'enfance qui bossent bien. Et comme je vous dis, j'en connais, j'ai plaisir à travailler avec eux et à échanger avec eux parce que des fois, je fais équipe avec eux pour aider les parents. Mais il ne faut pas qu'on en vienne à nier que des fois, ça se passe pas bien. Il n'y a pas que les travailleurs sociaux qui sont déconnants. La procédure administravo-judiciaire, parce qu'on est un peu aux confins de procédure, rend aussi les lectures compliquées et porte en elle-même hein, les failles. Hein. C'est déconnant souvent parce que la procédure s'y prête. Il ne faut pas le nier, ça. Il faut justement le reconnaître et qu'on bosse tous ensemble. Alors, je suis un peu idyllique, mais qu'on bosse tous ensemble à essayer d'arranger ça et de l'améliorer. Mais on ne peut pas être aussi tranché. Ça, je l'accepte difficilement. Moi. Quand je vois la souffrance des parents que j'accompagne, je ne peux pas entendre c'est pas représentatif ou moi, je bosse bien, ça ne se passe pas comme ça. Non, ça ne se passe pas que comme ça. C'est important ce que vous dites et je pense que c'est aussi très rassurant et de voir que vous prenez réellement à cœur la souffrance des familles et que, on est d'accord. On ne peut pas non plus dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Quand on est plongé dedans, on voit bien, je suis entourée de personnes qui ont été concernées et ces personnes-là, je ne me considère pas comme étant entourée que de gens bien sous tout rapport, mais clairement, ils ne méritaient pas ça. Il y a Nathalie qui dit « Il y a eu un avocat qui a adressé un dossier alerte au gouvernement pour les abus de placement et les IP actuels qui sont souvent infondés. » Alors, il y a des choses qui se font pour essayer de faire bouger les choses par rapport à cette situation. On parle des travailleurs sociaux, mais la faille ne vient pas que d'eux non plus. Elle vient d'une procédure qui est complètement opaque et qui n'est pas adaptée du tout. Les IP, on n'en a pas le contenu. La procédure en elle-même fait que il n'y a pas de contradictoire. Les rapports, les notes d'information sont transmises aux magistrats en charge des procédures sans que les parents soient visés et puissent s'en expliquer, sachant que des fois, il y a des défauts d'interprétation. Et ça, ça a des conséquences. Donc, moi, je vous parle de l'association Termoutisme. On est beaucoup d'avocats à travailler avec cette association. On intervient tous bénévolement, mais on fait des manifestations, on fait des journées de mobilisation, on fait de l'information, on fait de l'accompagnement parce qu'il faut que ça change. Ça va pas. On donne une mission judiciaire à un organisme administratif. Cet organisme administratif qui est la protection de l'enfance, il est purement décentralisé et déconcentré. Ça veut dire qu'en fait, il y a beau avoir une tutelle de l'État, en pratique, chacun fait sa tambouille interne, chacun a son organigramme, son fonctionnement, ses sigles, ses termes, c'est une nébuleuse totale pour les parents et personne n'a la même procédure. Donc, c'est impossible de s'y retrouver. Et comme je vous dis, on arrive souvent en audience, on a 3-4 notes qui sont tombées, voire la dernière qui est arrivée une heure avant l'audience, le parent n'en a pas connaissance, l'avocat n'en a pas connaissance, et là, on nous sort des lapins du chapeau. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Quand on dit que c'est infondé, c'est pas que c'est infondé. Les IP, c'est pas grave qu'elles soient fondées ou pas. À la base, c'est une inquiétude. Ça peut partir d'une bonne volonté, admettons. Après, il faut qu'on puisse justement éclaircir les choses. Mais on a des rapports, des notes d'information qui sont envoyées souvent par les services sociaux.
sans être infondées, elles se fondent sur des éléments qui sont la lecture du travailleur social ou de l'éducateur et qui ne représentent pas forcément la réalité. Seulement, le souci, c'est qu'on n'a pas pu en discuter, le parent n'a pas pu s'en justifier et ça arrive comme ça, brut de décoffrage sur le bureau du juge qui se dit « Wow, le parent fait n'importe quoi ». Bah attendez, on va vous expliquer, c'est pas du tout ce que vous croyez. Et ça, on ne peut pas le faire. Donc, c'est pour ça que le parent a la sensation, et c'est pas qu'une sensation, d'être complètement broyé. La procédure, elle est déconnante, déjà en elle-même. Donc, tous les abus sont possibles. Voilà, un système, une procédure, c'est comme un gouvernement, c'est comme un régime. C'est des règles d'un côté, des hommes de l'autre. Il faut qu'on essaie d'avoir le meilleur possible dans les deux. Mais si on a des règles à la base qui ne sont pas protectrices, ça ouvre la porte à tous les abus ou toutes les erreurs. Et c'est ça le souci. Donc oui, on est beaucoup d'avocats à s'élever là-dessus. Il y a certains qui montent effectivement en politique pour essayer de faire des propositions de changement de loi ou des ajustements. Mais c'est vrai qu'on ne va pas l'inventer. Il y a une foule d'articles de presse qui sortent, mais qui ne sont pas le fait des avocats ou des familles, hein, qui sont faits au fois de travailleurs sociaux, de familles d'accueil, d'anciennes personnes qui ont été confrontées au service en tant que collaborateurs, qui disent « ça déconne, ça ne fonctionne pas comme ça devrait ». Et ça ne vient pas que de l'être humain, ça vient de la procédure en elle-même qui laisse justement passer de telles erreurs. Donc oui, tout est à refaire, tout est à refaire. C'est assez compliqué pour le parent, pour les avocats, pour les associations d'intervenir dans ces conditions-là. Les procédures sont mal faites, elles ne sont pas du tout adaptées. Alors j'ai une question par rapport à quand on a fait le premier rendez-vous. Si ça se passe bien, on reçoit, j'imagine, un courrier qui nous dit « bon, c'est classé sans suite ». Mais si ça se passe mal, si la personne en face de nous considère que on n'est pas apte, qu'on a besoin d'aide, déjà on va partir gentiment, qu'on a besoin d'aide pour notre enfant, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si au premier rendez-vous, effectivement, les personnes que vous rencontrez identifient ce qu'elles analysent comme étant des fragilités, des failles de votre côté, il va vous être proposé d'autres rendez-vous pour évaluer au plus près. Ça peut être des rendez-vous à la maison. Ils vont se déplacer sur votre lieu de vie. Ils vont rencontrer les enfants. Ils vont demander éventuellement d'entrer en contact avec l'école, avec le médecin, avec le psychologue, qui peut ou pas se retrancher derrière un secret médical. Mais ils vont aller un peu plus à la pêche aux infos. Et s'ils estiment, après cette enquête, cette évaluation plutôt, que le parent ou la famille a besoin d'aide, il va vous être fait des propositions. Des propositions, en l'occurrence, ça va prendre la forme les trois quarts du temps de ce qu'on appelle une AEMO, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Donc, c'est-à-dire la mise en place d'un éducateur qui viendra régulièrement à la maison, ou travailleurs sociaux, ou techniciens d'intervention familiale qui vont vous accompagner pour vous aider parce que eux, ils ont estimé qu'il y avait une difficulté, soit à gérer, ça peut être le quotidien à la maison. Si vous avez le petit dernier en situation de handicap qui réclame une attention constante et un jeune préado qui a besoin d'aide pour les devoirs, il y a de quoi péter les plombs. Je veux dire, c'est très compliqué pour les parents qui sont dans ces situations-là. Ça peut être de vous apporter une aide sur ces temps-là, par exemple, de vous accompagner, de vous proposer un relais parental pour souffler. Ça, voilà. À la base, ce sont des mesures qui sont des mesures d'aide. C'est pas nécessairement qu'on vous considère inapte. C'est qu'il y a un moment, il y a besoin d'un coup de main. Et des fois, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'il y a très souvent, non seulement les familles en situation de handicap sont touchés, que ce soit le parent ou l'enfant qui sont en situation de handicap, mais aussi qui sont surreprésentés, et bien évidemment les familles monoparentales, hein, nécessairement. Quand il y a un parent tout seul, toujours plus compliqué quand on n'a pas tout de suite quelqu'un à la maison pour s'appuyer. Donc, c'est dans ces cas-là où ils vont être proposés ces mesures administratives. Donc, c'est pas que ça se passe mal, c'est qu'ils estiment qu'effectivement, il n'y a pas lieu à classer, qu'il y a lieu à vous apporter une aide. Donc, cette aide, elle vous est proposée. C'est une aide, on est toujours dans ce qu'on appelle le schéma administratif. Là, aucun juge n'intervient à ce stade-là. Et dans ce cadre administratif, on ne peut pas vous contraindre. On doit avoir votre accord. Si vous ne donnez pas votre accord, là, effectivement, ça se corse. Si le département, les personnes qui vous ont évalué, estiment que vraiment vous avez besoin d'aide parce que dans les conditions actuelles, soit en raison des difficultés que représentent les enfants à être gérés, soit en raison de votre handicap ou de votre état de fatigue ou de vos difficultés financières à un instant T, vous avez besoin d'une aide et que vous la refusez, dans ce cas-là, il va y avoir une saisine du juge des enfants et ou une information au procureur de la République. Et là, on peut avoir une prise en charge, enfin un relais pris, et cette fois par le juge des enfants, qui sera toujours dans l'idée de vous apporter une aide, mais cette fois qui pourra vous y contraindre d'une certaine manière, oui. Et justement,
Comment ça se passe, ces aides, ça ressemble à quoi en fait? Donc vous avez expliqué comme quoi ils venaient, mais ils viennent faire quoi? En gros. Alors, c'est assez particulier parce que ça va être encore une fois très différent en fonction des départements et des services. Comme je vous l'ai dit, c'est une administration décentralisée, déconcentrée. Concrètement, ils sont en roue libre, ils s'organisent un peu comme ils le veulent. Et dans le panel de mesures, comme je dis, ça peut être une aide à la mesure du budget. Les trois quarts du temps, si ça concerne vraiment la relation parent-enfant ou la gestion du quotidien de l'enfant, ça va être une AVMO. En pratique, ça va être des rendez-vous mensuels ou toutes les 6 semaines avec le parent dans les locaux pour faire le point. Ça peut être des déplacements à domicile toutes les semaines ou 2 fois par mois ou 1 fois par mois en fonction du calendrier qui est fixé, où la personne va venir au domicile, va discuter avec vous, va venir sur un temps de repas, voir comment ça se passe, essayer de vous donner des clés, pouvoir vous soulager d'une manière ou d'une autre. À la base, c'est une mesure d'aide. Très simplement, c'est une mesure d'aide. Maintenant, il s'avère que l'encombrement des services fait que vous allez voir ces techniciens d'intervention familiale ou ces éducateurs venir peut-être 1 fois par mois et encore. Donc, très souvent, une mesure d'assistance éducative, les services sont tellement surchargés que vous allez l'avoir sans l'avoir. Hein. Et en pratique, il est rare qu'on ait clairement une aide apportée aux parents, hein, qui déjà dans un premier temps ne va pas forcément voir l'intervention d'un très bon œil. Et dans les cas où vous avez un enfant qui a un handicap particulier, une situation qui est assez, rare, bah, il mettrait autant de temps à comprendre la situation qu'à vous apporter de l'aide. Donc en général, c'est un peu... On tire un peu à blanc. Mais ça va se manifester comme ça, par des visites à domicile ou des rendez-vous au service pour prendre la température, savoir comment ça se passe. C'est assurer en fait un suivi, une présence, une information, un soutien. Ça, c'est la parole officielle. D'accord. Alors, il y a Anne qui ajoute les AMO administratives, à mon sens, ne sont pas efficaces. J'ai rencontré 3 éducateurs différents en quelques mois. La discontinuité du suivi est évidente. Bon, après, on revient avec cette idée comme quoi, est-ce qu'ils sont vraiment formés? C'est non, tellement bah déjà difficile de trouver les professionnels pour accompagner nos... Ils sont pas, ils interviennent auprès de l'enfance. Mais il n'y a pas déjà de... Il n'y a pas de diplôme typique avec un cursus typique et qui impliquerait de la pratique. Donc, très souvent, on a un manque de formation, on a souvent un manque d'expérience. On voit des éducatrices arriver, elles ont 24, 25 ans. Alors, certaines sont à la fois compétentes et formées, d'autres pas parce qu'elles sont très jeunes, parce qu'elles n'ont pas le recul. Et vous prenez une maman qui a entre 40 et 50 ans, qui a 3-4 bambins à gérer, qui voit ce qui pour elle est une enfant, une gamine de 25 ans qui vient lui dire bah faut faire comme ça madame, forcément ça va pas passer déjà. Et en pratique, on peut aussi se poser la question, est-ce que cette personne vraiment elle est compétente et qualifiée? On n'a pas moyen de le vérifier. Faut surtout pas s'amuser à le demander parce que c'est toujours très très mal vu. Mais surtout dans les situations où l'enfant est en handicap, on n'a pas de garantie que cette personne-là a une connaissance de ce domaine-là. Et encore que, même si vous avez une connaissance, on en parlait tout à l'heure, du TSA ou du TDAH, concrètement, les tableaux cliniques sont tellement différents d'un bout de chou à un autre que c'est pas comparable. On peut pas. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, le travail d'information du parent vers les services est important. Mais vous pouvez avoir des personnes qui sont pas spécialisées à ça. Bien sûr qu'elles sont pas spécialisées typiquement dans la prise en charge du handicap. Il y a pas de cursus et ils sont tellement. On a une activité des services de protection de l'enfance qui est tellement intense, que les services sont pressurisés, que ça recrute à tour de bras et qu'on a une multiplication de personnes qui sont malheureusement pas assez formées. On a aussi le problème d'un turnover parce que la plupart des services, mais c'est pire qu'une cuisine McDo, en l'espace d'un an, vous aurez 3, 4, 5, 6 intervenants différents qui vont pas forcément se passer les informations comme il le faudrait. Et là, bon après, c'est un autre sujet, c'est le sujet du PPE, peut-être que vous aurez l'occasion de l'aborder dans un autre live, mais le projet pour l'enfant, c'est un document unique où on retrace l'historique de l'enfant, les difficultés actuelles, ce qu'on met en place, les différents intervenants et qui suit l'enfant tout le long de la mesure, placement ou pas. Chaque enfant qui bénéficie d'une intervention des services sociaux doit avoir un PPE mis en place au plus tard dans les 3 mois. Et ce PPE, il sert de fil conducteur. Si on a un changement de référent, un changement d'éducateur,
il reprend le PPE, il peut reprendre là où on s'était arrêté avec les précédents. 70% du temps, on n'arrive pas à faire faire le PPE parce qu'ils ne savent pas que ça existe, parce qu'ils ne le mettent pas encore en place. Au passage, c'est obligatoire depuis 2007, mais c'est une vraie gageure de réussir à le faire établir. Mais on a effectivement ce souci supplémentaire d'avoir une multitude d'intervenants, ce n'est pas toujours les mêmes. Et très souvent, ceux qui étaient initialement saisis de la situation, au bout de 3 mois, c'en est d'autres. Donc, c'est très compliqué de voir tout reprendre à zéro. Et ça, effectivement, la mesure perd aussi nécessairement en efficacité. C'est oui. Donc, il y a des parents, effectivement, il y a une AMO qui va durer 1 ou 2 ans, ça ne les a pas aidés du tout. Dans certains cas, ça va pouvoir apporter un plus. Il y a des parents qui ont pu revivre grâce à ça. Mais dans beaucoup de cas, en particulier, quand l'enfant est en situation de handicap, non, parce que c'est pareil. Encore une fois, la procédure et les formations, les prérequis ne sont pas là où ils devraient être. Ça, c'est pas la faute des personnes en particulier, c'est la faute du système qui est mal foutu et qui n'est pas du tout adapté aux problématiques actuelles, absolument pas. Oui, je comprends bien, effectivement. Il y a cette question aussi qui revient concernant la possibilité de poursuivre la personne qui a fait l'IP quand on a finalement eu gain de cause, entre guillemets, dans cette démarche. Est-ce possible ou est-ce que, au contraire, elle est ultra protégée et on ne pourra jamais savoir qui c'était et tant pis pour nous. C'est les deux. On peut, mais c'est ultra protégé et ça mènera à rien. Je le sais pour l'avoir essayé. J'ai pas réussi. On s'est mis à plusieurs, on n'a pas réussi. On a eu des cas d'informations préoccupantes, effectivement, qui sont émises dans un but malveillant, parce qu'il y a un blocage de situation, parce qu'il y a un conflit de personnes, et que la solution, c'était effectivement de lancer une IP. Et on a des IP. Après, c'est compliqué de savoir ce qui passe de l'interprétation de la personne qui s'inquiète légitimement et qui se trompe, du vrai gros mensonge malveillant fait pour mettre les parents en difficulté. Donc, effectivement, on peut avoir des IP qui sont maladroites ou inexactes. Ça, ce n'est pas poursuivable. Et on a des IP qui sont foncièrement mensongères. Et effectivement, les IP, quand on arrive à les avoir, c'est… Mais c'est comme sur les rapports. Hein. On a des fois, dans les évaluations aussi, un rapport et qui va prendre la suite de l'IP où on peut avoir des mensonges énormes dedans. Hein. Soit qu'ont apporté des tiers en faisant des déclarations mensongères au service, soit parce que les travailleurs sociaux ou les personnes, les enquêteurs, se sont trompés à tel point qu'on se demande s'ils n'ont pas fait exprès de raconter des bêtises. Donc, est-ce qu'on peut attaquer ? Théoriquement, il faudrait concernant l'IP, il faudrait déjà l'avoir, ce qui est un peu compliqué. J'ai dans un dossier essayé. Parce que la maman estimait que c'était effectivement du mensonge et on avait dans l'IP des scènes de violence très précisément décrites qui, semblerait-il, n'ont jamais eu lieu puisque l'affaire a été classée. L'IP a été classée, il n'y a pas eu de suite. J'ai fait un dépôt de plainte. On a fait un dépôt de plainte avec les mamans. Il nous a été répondu très clairement que c'était classé et que c'était pas de bon ton de s'en prendre aux services sociaux à l'heure où on doit protéger l'institution. Bon, le message était passé. On a saisi un juge d'instruction et le dossier dort entre deux cartons. C'est très compliqué, oui, parce qu'ils sont, oui, les personnes lanceurs d'alerte sont protégées aussi et le système administratif dans son ensemble est protégé. J'ai aussi eu le cas plus récemment d'une évaluation suite à une IP. Où la maman avait refusé l'aide administrative, on s'est retrouvé devant le juge des enfants avec une demande d'AEMO renforcée, donc une demande dont on demande une demande effectivement d'aide administrative, mais vraiment renforcée. Et sur ce rapport, les services avaient indiqué que des renseignements pris auprès des intervenants autour de l'enfant, donc psychomotriciens, orthophonistes, un enfant qui avait un trouble du spectre autistique, ergothérapeute, tout le bazar, ils avaient dit non, ils ont dit que la maman était agressive, violente, menaçante, c'est très compliqué, il faut une intervention judiciaire immédiate. La maman m'a dit c'est impossible que ces gens-là qui suivent mon fils depuis 10 ans aient dit ça. Elle les a interrogés et ils ont fait une attestation par écrit en indiquant qu'ils n'avaient jamais tenu de tels propos au service, que ce n'était pas vrai. J'ai eu l'orthophoniste qui a fait savoir dans son courrier au juge que c'était des mensonges, que dorénavant, elle ne travaillerait plus jamais avec les services sociaux, ce qui était dommage parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'aide. Et on a évidemment obtenu un non-lieu et forcément, on a fait un dépôt de plainte pour faux.
T'es pareil, jamais eu de nouvelles. Donc, même nous, après, quand on pousse, on est bloqué. Parce que les services sont protégés, parce qu'il y a aussi une nécessité de protéger les lanceurs d'alerte. Mais là, dans un but qui peut paraître louable, hein, c'est de ne pas brider la parole et de pouvoir aussi pas hésiter à appeler à l'aide quand un enfant paraît en danger. Mais donc oui, on peut théoriquement attaquer. Maintenant, je vous dis, en pratique, c'est extrêmement compliqué. Déjà parce que le pénal est d'interprétation stricte. Donc, il faut démontrer en quoi c'est un mensonge, ce qui n'est pas toujours évident, parce que c'est des choses, si on ne peut pas prouver qu'elles existent, on ne peut pas non plus prouver qu'elles n'ont pas eu lieu. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais j'ai vu un commentaire affiché, oui, dans 1% des cas, est à l'origine de l'IP. Oui. En général, on le sait, oui. Quand c'est le médecin, quand c'est l'infirmière de service, quand c'est l'enseignante référente de l'école ou le directeur d'établissement, en général, on a une idée assez claire de qui a lancé l'IP, oui. Il y a justement Delph qui nous dit, moi, ça vient d'un reçu de suivi psy à l'hôpital, service des urgences pour ma grande de 17 ans et demi. Et c'est ma petite qui a été prise, basée sur un faux signalement suite à ce refus. Alors, c'est vrai que, bon, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de refuser. Parce que si on refuse, on peut nous mettre une IP. Que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau des médecins et de tout ce qui est pris en charge. On dirait que c'est un outil pour obliger les familles à faire ce qu'on veut. Et c'est dommage parce que normalement, initialement, c'est pour protéger les enfants. Bien sûr. Alors, ce n'est pas fait pour ça, mais en pratique, on verra souvent effectivement la rançon à l'IP, tout à fait. De la part, on l'a souvent à l'école. Quand on réclame des aménagements, quand il y a un souci, c'est souvent pendant les ESS, écoutez, si c'est comme ça, on va faire une IP. C'est-à-dire que nous, on ne trouve pas de solution, vous n'êtes pas d'accord, et on va faire venir les services sociaux. Donc oui, on a un peu cette espèce de rançonnage à l'IP qui existe, on ne va pas se mentir, ça existe, c'est vrai. Et on a des IP qui sont lancées souvent par, j'en ai une il n'y a pas longtemps, par un établissement scolaire qui refusait d'entendre la situation des enfants et qui a balancé une IP avec des informations totalement bidonnées. On a eu un non-lieu, bien sûr, mais c'est beaucoup de stress et d'inquiétude pour les parents parce qu'ils étaient en désaccord et en conflit ouvert avec ce directeur. Donc, oui. Et après, l'idée, ça pourrait être de dire, oui, je vais dire oui à l'école pour ça et ça, sinon j'ai une IP. Quand vous avez une IP, si vous refusez l'aide administrative, parce que vous avez le droit de la refuser, l'aide administrative, on ne peut pas vous y forcer. Vous savez que derrière, vous avez un juge des enfants qui va être saisi, qui va la reprononcer, cette aide éducative, mais dans le cadre judiciaire. Vous pouvez aussi refuser de collaborer, vous pouvez refuser de recevoir les éducateurs et travailleurs sociaux, mais vous savez très bien ce qu'il y a à la clé. Si vous refusez l'aide judiciaire à domicile, ils vont la feront dans le cadre d'un placement. Donc, oui, il y a toujours ce stress-là de savoir qu'est-ce que j'accepte. Après, je pense qu'il ne faut pas nécessairement s'opposer à toute mesure d'aide. Après, si vous pensez, et si vous êtes persuadé, parce que n'importe qui connaît mieux, personne ne connaît mieux l'enfant que son propre parent, si vous pensez nécessairement que l'aide qui vous est proposée, que ce soit par l'école ou des services médicaux sous menace d'IP, ou alors les services après IP sous menace de placement ou d'appel au juge, n'est pas fondée, n'est pas utile, n'aidera pas votre enfant, il faut résister, mais il ne faut pas résister en s'énervant, en bloquant, en les envoyant bouler. Mais aidez-vous systématiquement, prenez attache avec une association, prenez attache avec un avocat, n'y allez pas tout seul. Et là, on peut toujours en amont essayer de rattraper la situation. Si mais oui, refuser c'est possible, mais c'est dangereux. Et si on y allait avec une assistante sociale? Rien que pour... Bien sûr, pourquoi pas. On aime bien qu'elle s'en parle et tout. Mais qu'ils se parlent entre eux. Tout à fait, c'est une personne qui connaît votre situation et qui en plus connaît le système administratif. Donc pourquoi pas, bien sûr que oui. Ce serait même très précieux comme accompagnement. Alors, je regarde, j'ai quelques messages. J'ai Sarah qui demandait, ah bon, lors d'une ESS, un RZ peut lancer une IP ? Suite à une ESS, je dirais plutôt, mais oui. Mais c'est souvent, je parlais de l'ESS parce que c'est souvent là que ça va se gripper un petit peu. C'est souvent aux ESS qu'on ne va pas forcément être d'accord ou qu'on va faire savoir à l'école et à l'enseignant qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec la façon de prendre en charge, que y a des choses qui ne vont pas. Et oui, une IP, elle peut être lancée à n'importe quel moment, mais très souvent, on a en général un clash ouvert ou du moins un conflit ouvert qui va souvent se cristalliser lors des ESS. Pour les enfants en situation de handicap, c'est souvent le problème. Oui. Par rapport à ça, alors j'ai beaucoup de... Ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas Sarah qui dit que c'est très tendu avec l'ERZ en ce moment.
Moi, je conseille toujours d'y aller accompagné aux ESS, n'y allez pas seul. C'est bien aussi. Voilà, dès le départ. En fait, il y a toujours quelqu'un à côté de vous, tout le temps, toutes les démarches. C'est des accompagnages. Faciliter la communication, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de situations qui dérapent d'un problème de communication. Et puis, d'un manque d'infos. En tant que parent, ben, comme vous l'avez dit, on a un trop plein d'émotions. Qui n'est pas oui, trop, c'est normal. Parce que c'est lié à nos enfants, qui n'a pas vraiment sa place face à toute cette machine administrative. Oui. Donc voilà. Alors, moi, j'avais une question concernant l'information préoccupante. Est-ce qu'on parle d'information préoccupante lorsque c'est une personne qui ne fait pas partie de la famille, mais qui peut s'occuper de l'enfant. Par exemple, imaginons une éducatrice à domicile qui vient au domicile de la personne. J'ai eu cette question qui s'en occupe pas bien. On va dire les choses telles qu'elles sont, avec de la violence et même des agressions, est-ce que l'information préoccupante peut se faire sur cette personne? Genre, on envoie aussi un courrier pour que l'information préoccupante se fasse sur cette personne. Est-ce que ça marche dans ce sens-là aussi, ou bien ça ne concerne que l'enfant en question? Alors, vous voulez dire, le parent pourrait faire une information préoccupante si... Non, effectivement, ça marche pas dans ce sens-là. Si c'est une personne des services sociaux, nécessairement, on peut pas faire une information préoccupante. Quoique, on pourrait se payer le culot d'essayer de le faire, en effet. Mais l'information préoccupante, elle vise la situation de l'enfant. Elle vise pas à ses parents. Donc, quand on fait valoir, dans le cas d'une information préoccupante, qu'un enfant semble présenter une situation de danger où ses conditions de développement, son éducation, son état de santé pourraient être compromis, ça vise pas nécessairement les parents. Ça peut viser... Si c'est le médecin qui l'a fait, l'école, que les parents n'y arrivent pas, il se rend compte qu'à l'école, l'enfant subit de la maltraitance, il va faire une IP. C'est pas les parents qui sont visés au premier chef, ça peut être la babysitter qui est visée. Mais c'est la situation de l'enfant, en fait, quoi qu'il y ait autour. D'accord. Donc, les parents, eux, faire une IP, non. Mmh. À moins que eux réclament l'intervention des services. Mais si vous, en tant que parent, vous rendez compte qu'il y a de la maltraitance, que ce soit à l'école, à l'hôpital, au centre de loisirs, avec n'importe qui, il y a d'autres voies que... Ça tombe sous d'autres qualifications, que ce soit civil ou pénal. Et là, non, il faut faire... Ça passe par les dépôts de plainte classiques, mais pas... Je déconseillerais d'une manière générale de faire appel aux services sociaux d'initiative. D'accord. Et quand est-ce que ça s'arrête, en fait? Comment on fait pour que ça s'arrête il y a eu une décision et tout. Quand est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, c'est bon, on nous a... On va aller dans la pire situation. On nous a retiré notre enfant. Bon, ben voilà, on est tombé face à des personnes qui n'ont pas voulu nous entendre et qui ont considéré qu'on n'était pas apte à s'occuper de notre enfant. Comment ça se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous voulez dire au début ou vraiment comment est-ce que ça va pouvoir se terminer? Oui, la fin. Mais quand un enfant est placé, de la même manière que quand on a une mesure éducative en milieu ouvert, il faut toujours qu'on SPP ce document qui retrace les difficultés qu'a l'enfant, les difficultés qu'a la famille et que les services vous disent très clairement ce qu'ils attendent de vous. Des fois, il faut leur sortir les vers du nez parce qu'ils disent juste ça va pas, mais concrètement, qu'attendez-vous de nous, hein? Voilà. Souvent, ça peut être justifié par un état de dépression ou de fatigue extrême du parent, notamment dans les enfants qui sont en situation de handicap, dans les familles monoparentales, les parents sont juste épuisés. Donc là, il leur faut, eux, le temps de se retaper pour que les services se disent « bon, maintenant, on peut effectivement lever la mesure de placement et repartir sur une aide en milieu ouvert ». Pour que ça s'arrête, finalement, ça ne s'arrêtera que lorsque, dans le cadre administratif, les services départementaux, ou si on a un cadre judiciaire, le juge des enfants, estimera qu'il n'y a plus lieu d'accompagner la famille et d'accompagner l'enfant, que les risques qui ont justifié le prononcé de la mesure, c'est-à-dire le risque pour le développement social, le développement affectif de l'enfant ou son état de santé, seront complètement écartés. Donc, en tant que parent, si l'enfant est placé,
savoir exactement ce qui est attendu de vous. Ça peut être des fois, moi j'ai le cas, une maman qui est morte de fatigue en fait, parce qu'elle est très très jeune et qu'elle a 6 enfants, dont le petit dernier visiblement serait TSA. Donc elle est très très fatiguée. Les enfants sont placés pour une courte période. La maman doit se reposer, faire un checkpoint avec son psychologue, remettre les suivis en place. Et là, on envisagera le retour progressif à la maison. Souvent, vous avez, et si vous ne l'avez pas, il faut l'exiger, un carnet de route. L'emplacement, ce n'est pas une fin en soi. C'est une situation qui doit être temporaire. On travaille sur la situation familiale et une fois que cette situation elle est rétablie, elle est assainie, elle est réparée, on remet progressivement l'enfant à la maison. Bon, très souvent, ça patine. On a toujours ce jeu un peu en clair-obscur avec les services judiciaires qui renvoient la balle au service administratif. On ne sait pas qui attend quoi de qui. Et puis, les situations de placement perdurent. C'est pour ça qu'il faut des fois soit avoir un avocat, un juriste ou une association qui est formée qui peut aider derrière à bouger. Mais après, le souci, voilà, c'est que le temps judiciaire, c'est plus le même temps qu'on a nous. Hein. Les journées sont plus longues. Hein. Ça se compte nécessairement en mois hein, et pas en semaine. Mais quoi faire? Il faut systématiquement être informé et se tenir informé. Donc, on vous dira souvent en tant que parent, et je prêche pas pour ma paroisse, mais que l'avocat n'est pas utile dans une procédure d'assistance éducative parce que la procédure, elle n'est pas contre vous, elle est pour vous aider. Si, c'est hyper utile d'avoir un avocat. Ne serait-ce que pour être informé sur ses droits, pour pas faire de faux pas, pour pas effectivement dire des choses qu'il ne faudrait pas dire, pour pas solliciter communication de documents qu'on ne devrait pas solliciter, parce que la procédure en même, elle est tellement complexe. Comme je vous dis, il y a de l'administratif, il y a du judiciaire. C'est très compliqué pour le parent de s'y retrouver et qui va vite perdre patience. Et il va y avoir des écarts de comportement, des emportements contre les travailleurs sociaux qui vont être extrêmement dommageables en termes de conséquences, mais qu'on peut éviter. Donc, toujours être accompagné. Toujours être accompagné et solliciter que l'information soit la plus claire possible sur la situation de votre enfant s'il est placé et sur la vôtre. Qu'est-il attendu de vous? Que vous revoyez votre posture parentale, si c'est quoi, quand, comment, est-ce qu'il faut voir un psychologue? Il faut être très clair parce que les informations, il faut aller les chercher très souvent. On ne les a pas de façon claire et nette. Vous pouvez tomber sur des travailleurs sociaux et des éducateurs qui vont être très clairs avec vous, qui vont vous dire ce qui est attendu, qui vont vous accompagner. Vous tomberez sur d'autres très souvent qui ne vous accompagneront pas. Ils vont accompagner l'enfant, mais ils vont vous dire, mais attendez, on n'est pas là pour vous, on est là pour l'enfant. Bah, mais quand est-ce qu'il rentre à la maison? Donc, c'est compliqué. Ce qui est la conduite exacte à tenir, ça va dépendre très clairement de la situation. Donc, il n'y a pas de recette miracle à ce moment-là. Si ce n'est de jamais rester tout seul. Jamais. Alors, j'ai une dernière question par rapport à tout ça. Alors, il y a eu vraiment beaucoup de réactions. J'imagine des parents qui ont vécu ça et qui ont le cœur amer parce que clairement, on n'en sort pas indemne et parfois, on n'en sort pas. Hein, c'est bien ce qu'on comprend aussi. Comment c'est accompagné ça? Est-ce qu'il y a... Parce que je pense qu'on est tous d'accord, c'est violent de vivre ça. Bah oui. Est-ce qu'il y a des choses qui existent, des structures qui existent pour accompagner les familles qui ont vécu ça? Alors, oui. Il y a beaucoup d'associations de parents dont les enfants font l'objet d'une mesure éducative. Bon, en général, c'est les placements. Hein. C'est ce qui est le plus douloureux et le plus violent. C'est l'ultima ratio, c'est la dernière mesure, c'est quand même le placement. Vous avez beaucoup de parents qui se retrouvent et qui font des associations pour défendre leurs intérêts. Alors, c'est des associations qui sont très bien, mais c'est pas nécessairement de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on va dénoncer, on va sensibiliser, mais concrètement, ça ne vous accompagne pas dans votre situation à vous personnellement. Pire que ça, si vous faites partie d'une association qui a un vocable un peu guerrier, moi, c'est le cas aussi de l'association avec laquelle je travaille, on se qualifie de guerrier parce que bon, c'est un petit peu une guerre aussi, ça pourrait être mal interprété par les services. Donc, il faut là aussi, il faut être prudent par rapport à ça. Mais il y a des... Alors, moi, c'est vrai que la seule que je connais qui travaille comme ça, c'est l'association Termoutis, qui est sur Angers, mais qui intervient sur tout le territoire. C'est une association qui intervient bénévolement, qui comprend en vice-présidente une juriste, agent de médiation, qui connaît depuis des années tous les rouages, tous les fonctionnements, même les noms de la plupart des intervenants et chefs de service, donc qui connaît très bien, qui peut renseigner sur les droits et devoirs du parent, les droits et devoirs des services. Donc ça, c'est des mines d'informations qui sont très précieuses. Vous pouvez aller sur leur profil Facebook, vous aurez plein d'informations intéressantes, ou éventuellement envoyer un mail. C'est pareil, ils peuvent vous renseigner.
L'association est aussi composée d'Ernest Chénière, qui est ancien député et qui a été pendant des années membre de l'Éducation nationale, qui est aujourd'hui membre honoraire de l'Éducation nationale, donc qui est très investi pour la cause des enfants, mais aujourd'hui aux côtés aussi des parents. Et ce sont des personnes qui s'y connaissent en politique publique, en administration et en accompagnement et aussi en procédure judiciaire. Donc là où il faut s'aider, certes, vous pouvez discuter en tant que parent et vous ressourcer en prenant de l'énergie auprès de personnes qui vivent les mêmes choses, mais concrètement, dans le cadre de la procédure, à part, on n'attendra pas de vous que vous dénonciez, que vous criez au scandale. Ouais, il existe, mais en attendant, c'est pas ça qui va vous en sortir. Il faut vous battre, il faut vous battre de façon armée et de façon raisonnée. Et c'est là qu'il faut s'entourer de juristes, d'agents de médiation, de gens qui connaissent. Donc, je vous parle de terme autiste parce que c'est la seule que je connais qui travaille comme ça. Mais il y en a nécessairement d'autres, c'est sûr. Après, il faut effectivement se renseigner, mais ça passe par un accompagnement utile. Vraiment, nécessairement, ça passe par ça. Il faut, ce que je conseillerais aux parents, quand je dis ne pas rester seul, c'est une association et un soutien, mais un soutien de quelqu'un qui s'y connaît dans ces procédures. Ce n'est pas nécessairement un avocat, ça peut être un juriste, ça peut être un membre d'association. Au contraire, justement, ça, c'est très bien. Mais il faut se rapprocher de personnes qui peuvent vous informer et vous conseiller, pas seulement de personnes qui partagent la même expérience. Parce que si c'est bien certes pour soi, ce n'est pas nécessairement ça qui fera avancer le dossier et la situation de votre enfant. Et dernière question, existe-t-il d'autres moyens que l'information préoccupante pour pouvoir accompagner si justement il y a besoin de protéger l'enfant? Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire que l'information préoccupante? Est-ce que l'information préoccupante est le seul moyen de pouvoir protéger un enfant qui serait... Alors si ça vient d'une personne extérieure. Je prends le cas, effectivement, on en parlait d'un médecin ou un psychologue aux urgences ou alors d'un chef d'établissement. Lui, il n'a pas le droit d'intervenir, il n'a pas le droit de mettre quoi que ce soit en place. Donc, la seule chose qui est possible pour protéger l'enfant, ça va être effectivement de solliciter les services sociaux par le biais d'une information préoccupante. Vous avez aussi le signalement. On parle souvent, l'un comme pour l'autre, de signalement, mais le signalement, c'est juridiquement, le terme est réservé à l'information transmise directement au procureur de la République. Quand là, on a un danger imminent, vraiment quelque chose où l'enfant, il est vraiment victime de maltraitance directe, de privation de soins, que c'est évident, que c'est caractérisé, qu'il y a peu de place au doute, là, c'est un signalement. Pour faire intervenir les services sociaux, effectivement, il n'y a que cette information préoccupante. Maintenant, est-ce que c'est le seul moyen d'aider un enfant? Non, bien sûr que non. Que vous soyez un professionnel de santé ou un professionnel de l'éducation, si vous repérez une situation que vous estimez être une situation de danger, sans dire que les parents sont maltraitants, mais vous constatez, ils constatent que le parent est fatigué, que l'enfant arrive en retard, qu'il n'arrive plus à faire ses devoirs, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de petits frères ou petites sœurs, ou que la maman est toute seule ou le papa est tout seul. Il y a pas, c'est pas censé passer que par l'information préoccupante. Au contraire, il y a aussi un devoir en ce sens des chefs d'établissement ou du personnel éducatif de prendre contact avec une assistante sociale, de prendre contact avec la psychologue scolaire, de faire un échange d'informations, de prendre contact avec la famille, de l'encadrer, de l'informer et d'apporter une aide. Donc effectivement, une aide à un enfant qui peut pas être dans une situation, sans parler de danger, mais une situation de fragilité, on peut la traiter autrement qu'en faisant appel aux services sociaux. Et c'est dommage, c'est que ça marche beaucoup moins bien. Enfin, ça se fait un petit peu moins. Mais il y a d'autres façons. Il y a effectivement, que ce soit un professionnel de santé ou d'éducation, il peut prendre attache avec d'autres personnes dans le but de venir en aide à la famille sans passer par l'IP et le département. C'est tout à fait possible. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Hein. J'ai beaucoup de réactions. Avec Anne qui dit le dialogue avant tout, Delphes qui dit oui, hélas, quand je pense à tous ces enfants pour qui on a détruit leur structure affective et détruit par des produits, ça la rend folle. Alors, je suis pas sûre d'avoir tout bien lu, désolée, hein, Delphes, je vois bien que cela vous, voilà, cela vous touche plus particulièrement. Voilà, Angélique qui disait justement, c'est aussi violent pour les enfants, il crée des troubles affectifs. Ah oui, bien sûr. Voilà, et donc il nécessite d'un accompagnement parce qu'on ne sait pas quel est l'impact sur le futur pour ces personnes-là, pour ces enfants-là. Alors, il y a beaucoup d'émotions. Hein, je ne relais pas tout, hein, mais sachez que c'est aussi pour ça que j'ai tenu à proposer ces...
ces émissions sur ces thématiques. Parce que, ben oui, moi j'ai été choquée une fois quand je me suis retrouvée à. Je me suis rendu compte que j'avais peur, en fait. J'avais peur qu'on m'oblige à faire des choses, j'avais peur. Et parce que, ben oui, je me disais à chaque fois, mais on peut me retirer ma fille, on peut me retirer ma fille, on peut me retirer ma fille. Et quand je le disais à des personnes qui vivent pas dans le monde du handicap, le monde merveilleux du handicap, eh bien, ces personnes-là, ne comprenaient pas. Mais comment ça, on peut te retirer ta fille? Ben non, on peut pas, et tout. Eh ben si. Et ça ne m'a pas rassurée, ce live. Ça ne m'a pas rassurée. Mais en même temps, ben, je me sens quand même plus armée. Et je pense que c'est, même si c'est pas rassurant, même si après on n'en repart pas avec un super big smile, comme pourrait le dire la chaîne Garde le Smile, ben, voilà, si on n'en parle pas, qui le fera? Si on ne dépose pas, qui le fera à notre place? Personne. Donc parfois, il est important d'en parler, même si ça gratte, même si ça ne fait pas plaisir. En tout cas, merci beaucoup, hein. J'ai une question de Sarah, je vais la poser parce qu'effectivement, c'est aussi très important. Mais quand le parent est en situation de handicap, comment ça se passe, l'IP? Ah bah de la même manière, après, à charge aussi pour le parent de pouvoir justifier que malgré les difficultés, les limitations qui seraient liées au handicap, il est en mesure de pouvoir, de toutes les manières nécessaires et nécessitées aux besoins de l'enfant. Après, forcément, quand un parent est en situation de handicap, il sera plus sévèrement jaugé, jugé et plus exposé à une IP, évidemment. Après, elle ne tombe pas du ciel tous les 4 matins, mais. Vous pouvez la prévenir de toute façon, l'IP. Quand vous voyez que ça se crispe avec un médecin à l'hôpital, qu'on voit que ça se crispe avec le directeur de l'école et que le dialogue se coupe, on sait qu'on a un risque d'IP. On le sait. C'est ça, c'est Ça tombe ça. pas non plus tout le temps. Mais oui, Non. pour un parent sur handicap, c'est d'autant plus difficile. Et là, il est encore d'autant plus important si ce handicap entraîne des fragilités particulières, encore une fois, de s'armer, prendre tout ce Tout qu'il à faut. fait. Soutien, juriste, assistante sociale, avocat, faut débouler avec l'artillerie lourde. Et avant même, avant, on peut continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire sensibiliser, en parler, partager, diffuser, pour que ben on puisse faire bouger un peu les choses. J'ai vraiment à cœur, moi, de me dire que c'est possible de faire bouger les mentalités sans avoir besoin de sortir l'artillerie lourde tout le temps. Malheureusement, ça ne marche pas à chaque fois, hein. Je ne suis pas non plus une bénie oui-oui qui croit qu'il suffit de sourire pour faire bouger les choses. Mais Non, parfois, mais ça peut aider. on peut éviter pas mal de situations justement avec de l'information et de la communication. Et plus ce sera fait, moins il y aura de blocage, moins aussi on aura d'IP, c'est sûr. Il y en a beaucoup qui viennent parce que le handicap des enfants, il est méconnu, il est mal jaugé dans ses particularités et dans ses besoins spécifiques. Donc plus on informe, plus les gens sont au courant, moins on aura de difficultés aussi avec ça. Nécessairement que ça va y participer. Tout à fait. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous, hein. Je vous dis à très bientôt. Il y aura de nombreux autres lives sur cette thématique qui, pour moi, me tient à cœur et je tiens à continuer à en parler pour qu'on puisse aussi se dire ben, que il y a des choses possibles. C'est pas parfait. La société pour le moment ne permet pas à trouver le bon deal, mais on peut essayer quand même, et ça c'est important. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci encore Floriane, c'était juste Merci à vous, Sandrine. important de savoir qu'il y a des professionnels tels que vous pour nous défendre. Merci. Et votre chat Pascal est juste génial. Oui, bah, il a tenu à venir spécialement pour la fin du live. Il a fait Voilà, une petite apparition. Oui. c'est une star. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée à tous et à très bientôt et gardez le smile.